On le mentionnait un peu plus tôt aujourd'hui, c'est jour de budget ce mardi à l'Assemblée nationale. François Legault a déjà dit que ça allait être un budget largement déficitaire. Et avec nous, pour mettre la table, Louis Lévesque de l'Association des économistes québécois. Merci, M. Lévesque, d'être ici. Bonjour. Il y a des circonstances qui rendent la tâche difficile pour Éric Girard, ministre des Finances. D'une part, il y a un ralentissement de la croissance des revenus, mais en plus, il y a une augmentation des dépenses en raison là, des conventions collectives signées avec le public. Comment vous voyez sa tâche en ce moment à M. Girard? Sa tâche est très difficile et vous avez raison de dire qu'il y a un ralentissement économique qui produit un ralentissement des revenus. Le premier ministre a aussi indiqué que les conventions collectives qui vont être signées suite aux ententes qui sont intervenues depuis le début de l'année vont coûter plus cher que ce qui était prévu en novembre. Mais je pense que ces éléments-là qui sont conjoncturels ou pas si imprévisibles que ça, un ralentissement quand la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt, quand les négociations collectives, c'est des choses qui devaient arriver. Mm-hmm. Pour mettre ça en contexte avec, depuis 4-5 ans, le gouvernement du Québec a augmenté massivement ses dépenses, beaucoup plus rapidement que l'ensemble des autres provinces, beaucoup plus rapidement ou à des niveaux plus élevés que ce qu'on avait dans le passé au Québec avant la pandémie. Et là, c'est l'accumulation. Est-ce que c'est le ralentissement économique, les conventions collectives ou le fait qu'on a augmenté les dépenses de façon très, très importante dans le passé? La réponse, c'est toutes ces réponses, parce que ça s'additionne. Et l'effet, c'est à la fois de déprimer les revenus, augmenter les dépenses. Donc, il faut s'attendre à des déficits beaucoup plus élevés que ce à quoi on s'attendait. Mais ça veut dire des déficits beaucoup plus élevés que ce qu'on a vu dans les 25 dernières années. Pour ce qui est du déficit, on dit qu'on pourrait même repousser l'échéance pour revenir à l'équilibre budgétaire. C'est pas vraiment de bon augure, là, à vos yeux. Absolument pas. Puis le report de l'équilibre budgétaire, je pense que c'est presque une conséquence mathématique de ce qu'on vient de dire. Mm-hmm. Au mois de novembre, le gouvernement prévoyait de retourner à l'équilibre budgétaire en 2027-2028, mais avec des revenus plus faibles et des dépenses plus élevées, ça va probablement être reporté. On va voir dans le budget l'échéancier, le plan de retour à l'équilibre budgétaire que le gouvernement va se donner. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plus de dettes qui s'accumulent. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que toutes les dépenses qu'on fait actuellement, essentiellement, collectivement, on ne les paye pas, on emprunte, on paye des intérêts, et ça veut dire qu'on repasse le fardeau aux générations futures. Et ça, c'est dans un contexte où nos infrastructures ne sont pas en bon état, il y a une transition énergétique, il faut faire des investissements importants, et donc, c'est vraiment dans un contexte un peu plus difficile quand on regarde l'avenir. Et c'est pour ça que nous, on dit qu'il faut vraiment regarder l'avenir, pas seulement regarder l'immédiat. Mais si vous dites on regarde l'avenir, est-ce que ça sous-entend qu'il faudrait donc couper dans les dépenses? Actuellement, comme l'économie ralentit, c'est pas le moment de faire des coupures budgétaires majeures. Ce que nous disons dans notre avis, c'est le temps de revoir certaines dépenses et d'identifier des activités moins prioritaires et des façons de faire pour dire, est-ce qu'on peut, dans le fond, changer certaines choses? Est-ce qu'on peut arrêter de faire certaines choses? Mais où est-ce qu'on pourrait moins couper? Quel secteur? Quelle industrie? Dans notre avis, on dit deux choses qu'on devait regarder. C'est carrément des choses qu'on faisait puis qui étaient des bonnes choses à faire peut-être il y a 20 ans, mais des choses sont peut-être moins prioritaires maintenant. Bon, il y a beaucoup de crédits d'impôt qui sont donnés au Québec aux entreprises. Ça serait le temps peut-être de revoir si ce qu'on a fait dans un temps où, par exemple, les jeux vidéo, c'était une industrie d'avenir, est-ce que c'est encore approprié aujourd'hui? Est-ce qu'on peut réduire? Sans éliminer, on peut réduire un peu. Il y a des activités qu'on fait comme, on va voir, vous voyez souvent les publicités de Placement Épargne Québec. Bien, Placement Épargne Québec, c'est le gouvernement qui vend des produits de placement aux particuliers. Ça vient de la Deuxième Guerre mondiale. En Ontario puis au fédéral, ils ont arrêté ça, eux autres. Ça coûte plus cher au gouvernement pour se financer. Et par ailleurs, toutes les institutions financières au Québec, Desjardins, Banque nationale, les grandes banques, les compagnies d'assurance vendent tous ces produits de placement-là. Est-ce qu'on a encore besoin de ça en 2024 comme service public? Donc, c'est ce genre de questions à se poser, puis aussi les façons de faire. On peut regarder, et nous autres, on dit, regardons de façon prioritaire les secteurs où ce ne sont pas des services directs à la population, comme
par exemple, toutes les fonctions administratives à l'intérieur du gouvernement ou des réseaux publics. Et en arrière de ça, il y a l'idée, est-ce qu'on peut numériser puis accélérer, moderniser les processus? Et on ne parle pas de mettre des gens à la porte, parce que de toute façon, on a des pénuries de main-d'œuvre. Mm-hmm. Donc, s'il y a des emplois qui sont éliminés, bien, on peut réallouer les personnes vers d'autres emplois, que ce soit par des départs à la retraite, etc. Donc, on ne se fait pas d'illusions, là. On ne sauvera pas des milliards instantanément. Donc, mais il faut partir ce processus-là pour que ça contribue à terme à diminuer l'écart budgétaire. Louis Lévesque, merci beaucoup pour votre témoignage, pour vos explications ce matin. Je rappelle que vous êtes de l'Association des économistes québécois. On va surveiller le budget cette semaine. Oui, merci. Bonne journée. Le 12 mars, le gouvernement Legault présentera son budget. Déficit, inflation, gel des impôts. Quels seront les impacts sur votre portefeuille? Pour tout savoir, suivez notre couverture spéciale sur LCN, ainsi que sur notre application TVA Nouvelles.